Son parti pour être un prince.
monde attaqua Jésus-Christ, tout le temps qu'il vécut sur terre, il est tous les jours antéchrist, tous les jours il lui fait la guerre, tous les jours il le afin d'autoriser ses crimes. Il contrefait ses sacrements et ses divins commandements. Les serviteurs du Seigneur sont combattus par sa malice. Il leur fait tort, il leur fait peur, il les flatte, il leur rend service. Il leur compte mille raisons afin qu'ils il fait de leur dévotion le sujet de sa raillerie. Il l'appelle une illusion ou bien une bigoterie. Il condamne leurs actions. Leurs intentions pour détruire leur sainteté, ils se servent de mille malices pour les tourner de son côté. Il invente mille injustices. Par ses pièges d'iniquité, il couvre mais très finement le péché de la vertu même pour le faire entrer doucement. Il flatte, il proteste. La mollesse et la suffisance, l'ignorance chez les paysans, l'ivrognerie et médisance, l'envie et les divisions, juste dans la
la justice dans les palais, dans les lieux publics, les scandales, dans les lits et les lieux secrets, les impuretés les plus sales, dans l'église et dans les lieux saints. La moleste oisiveté et le luxe parmi les dames, le babil et la vanité parmi presque toutes les femmes, l'avarice chez les Valjeans et l'orgueil parmi les savants, dans les soldats, les jurements, les blasphèmes et les violences, partout mille dérèglements, les jeux, les balles, les insolences de ces je dis trop peu, hommes et garçons et filles et femmes sont brûlés presque tous du feu de sa concupiscence infâme. Il met partout la vanité, presque partout la sur son déclin, il n'est que crime et qu'injustice. Il n'a jamais été si fin ni si pénétré de malice. Qui sait pécher plus en secret, il passe le monde dans l'aveuglement, et le malheur se croit sage. Il est dans l'endurcissement, quiconque le reprend l'outrage. Hélas, il ne voit ni dommageable pour un bonheur ce qui n'est rien et pour fou un bien véritable. Tant ses erreurs l'ont aveuglé, tant ses péchés l'ont déréglé. Il ne sait la vanité des biens que la terre présente, il ignore la cruauté de l'esprit malin qui le tente. Comme il ne voit que par ses sens, il juge mal des un fantôme trompeur. Si Dieu menace, il est sans crainte. Il est sans loi, sans foi, sans peur devant cette majesté.
jugements sont renversés. Il croit que les fous sont des sages, que les sages sont insensés, des bigots de son personnage. Et comme il croit très clairement, il décide tout hardiment. Cet aveugle est fier et hardi, il ne veut pas qu'on le reprenne, quoi qu'il soit un grand étourdi. À le reprendre, on perd sa peine. Il est ainsi qu'il est écrit, incapable. La mort, c'est si belle et si triste.
est-ce que tout l'or et l'argent et les richesses qu'on appelle les morceaux de terre changeant dont la surface paraît belle? Un morceau de terre dorée, un métal l'argent est un bien passager, il veut toujours changer de maître quand on l'empêche de changer, il devient le plus cruel traître. Quand il est longtemps conservé, il est un poison. Quelques dépouilles d'animaux, des morceaux de boue et de plâtre, quelques bois coupés en morceaux, une terre blanche et jaunâtre. Voilà les plus grands biens des fous, et qui les gagnent. Par mille accidents, un voleur les pille ou les mange, une rouille se met dedans, que leur changement est étrange. Il ne dure qu'un seul moment pour les perdre. Voyez-vous ce riche Crésus que son argent honorable, il perdra bientôt ses écus, il mourra comme un misérable. Qu'emportera-t-il de son bien? Hélas, un lince. Tous ces biens, on je ne sais quoi, de pernicieux et très funeste, il cache un poison chez soi qui nous suit et qui nous empeste. C'est ce que la foi nous apprend. C'est ce que le sage comprend. C'est bien passé de main en main, on damne l'impie et l'avare, on contracte tant de venin qu'à peine un sage s'en sépare. La vérité, l'énorme Dieu d'iniquité. Dès lors qu'on veut les acquérir, dès lors on pêche, on est coupable, puisque quand on veut s'enrichir, on est pris au piège du diable. Mal de les vouloir, que sera-ce de les avoir? Ces biens sont la poigne et la glu pour nier et perdre les âmes. Leur pouvoir est comme absolu pour les précipiter. À peine peut-on les
cruauté est la plus grande que je sache, et d'acquérir la sainteté en les possédant sans attache. C'est un effort miraculeux, c'est un prodige. A-t-on du bien en quantité, vit-on dans l'aise et l'abondance? À Dieu la foi, la charité, la pénitence et l'espérance. C'est ce qu'on voit communément, mais et quel effort d'un
de leur mauvais usage, mais dans l'enfer, quel châtiment, quel désespoir et quelle rage. Après cela, comme les fous, avec ces faux biens, voilà quelle est la vanité des biens que le monde présente, qui cherche avec avidité, sans qu'aucun jamais le contente. Mais ses plaisirs sont aussi faux et lui causent tout. Les plus grands plaisirs sont trompeurs, ce sont des plaisirs en images qui ne contentent point les cœurs, qui les affament davantage, qui font ressentir à la fin le charognes puantes qui font des hommes criminels, qui rendent les âmes méchantes, qui flattent les sens au-dehors et qui soudent l'âme et le corps. Le pire montain dans ses rires, sur le bord de son précipice, devant un dieu qui le maudit et qui s'arme dans sa justice. Il foule aux pieds Jésus en croix, il méprise qu'à se garder de ce qui peut l'incommoder. Il ne s'occupe qu'à penser à son corps pour le satisfaire, boire et manger, rire et danser, semble être son à faire, tandis qu'il engraisse sa chair, il plonge son âme en enfer. Le monde est toujours orgueilleux, dans le temps même qu'il s'abaisse, il veut faire éclat sa modestie et son adresse. Il est ravi qu'on puisse voir ses talents, ses biens, son pouvoir. Il couvre et cache ses défauts pour faire montre de sa gloire. Abaisse tous ses égaux.
s'enferme partout à croire. Il ne veut hanter que les grands, il méprise les pauvres gens. On connaît l'orgueil d'un mondain, sa gloire vaine et chimérique. À son ses amis, son train, lorsqu'il marche, lorsqu'il s'explique, il ne respire que grandeur, qu'orgueil, que faste et que hauteur. Ce n'est qu'à son corps défendant qu'il obéit. S'abaisse à commander, il est ardent, il croit en avoir la sagesse. Il affecte la primauté en tout jusqu'en un sommeil, une chimère, une fumée, une vapeur, un vent, une écume légère, un éclat brillant et pompeux qui trompe les cœurs et les yeux. C'est le plus fin des hameçons que le démon lui puisse tendre. C'est le plus subtil des poisons qu'il donne presque à tous pour prendre. Satan tombé par son orgueil jette le sa sagesse, il lui prépare pour jamais la flamme la plus vengeresse. Autant qu'il s'est glorifié, autant qu'il sera châtié. Que ce dans l'oisiveté, il s'occupe à lui.
gazette et des nouvelles, et de l'armée, et de la cour, et de mille autres bagatelles, d'argent, de repas, d'ornements, de jeux, d'habits, de affaires temporelles, mais que bêtise et que tiédeur dans les affaires éternelles. Quand il joue, il aime à veiller, quand il prie, il faut l'éveiller. Il passe sa vie et son temps, non à l'unique nécessaire, mais à de vains amusements, à mal faire ou bien à rien faire, à regarder et babiller, à ni vengeance, ce maudit pêche hardiment en riant avec insolence. En pêchant, il chante ses vers, il fait du crime ses conseils. Il dit qu'il a gémir, pour verser des larmes, pour craindre l'enfer ou la mort, et pour en sentir les alarmes. Le bon Dieu dit-il, est-ce si bon, à la mort j'aurai le pardon. Tout un les bonnes âmes de vanité en vanité, de péché en péchés infâmes. Il meurt sans appréhension et tombe en la damnation. Il est dur envers lorsqu'il le voit dans la misère, il parle au pauvre avec dédain, s'il lui donne, c'est par colère. Il aura du pain pour son chien, mais pour son frère, il n'aura rien. Il est du purgatoire, à leur dépens, avec gaieté, on le voit manger, rire et boire. Il paiera d'un déprofondis ses pauvres parents étourdis.
Peut-on suivre ces sectateurs
dans leur malheur si déplorable, criant donc tous malheur. Mais prison, c'est pas.